Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Temps d'un Kit. Alors aujourd'hui je vous propose la première partie d'un tout nouveau projet et donc vidéo unboxing et donc ce nouveau projet Gundam. Et donc voilà le kit en question. Alors on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors unboxing de ce kit. Du coup je vous montre la première image donc face avant de la boîte. Donc, il s'agit donc du RX-105XI Gundam. Donc, on peut voir que c'est un kit de 2021. Alors, je vais vous montrer les autres faces de la boîte. Alors, premier côté de la boîte, donc notre Gundam avec des poses dynamiques. Donc, ça, c'est donc premier côté. Deuxième côté, donc même illustration que sur le dessus de la boîte, on va dire en gros plan. Et autre tranche, donc même chose, des images du kit monté. Voilà. Et dernière tranche, donc même image que sur le côté. En face. Donc voilà pour la boîte. Alors attention, c'est parti. 1, 2, 3, ouverture. Donc je vais découvrir en même temps que vous le contenu de la boîte. Alors la notice, on va voir ça juste après. Donc on peut voir que la boîte est bien fourni. Donc on a un pochon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10 pochons. Et ben on va regarder ça plus en détail. Alors je vous ai regroupé donc toutes les grappes qui sont grises et donc on a divers éléments, on va reprendre les grappes plus en détail. Alors donc première grappe où on voit donc des éléments certainement donc de son fusil et ensuite donc des éléments d'Innerframe de ce Gundam. Donc toujours pareil avec Bandai, hein, c'est relativement bien détaillé. Donc il s'agit d'un HG, donc high grade, donc voilà pour cette première grappe. Ensuite donc deuxième grappe, donc des éléments du Gundam, donc là au niveau de la jupe, ça je pense que ce serait peut-être sur son bouclier. Beaucoup de pièces. Donc voilà pour la deuxième grappe. Ensuite cette grappe, donc on a deux fois la même. Alors, je vais en poser une tout de suite là. Pareil, d'autres éléments. Donc voilà pour cette grappe. Et enfin, il nous reste donc cette grappe aussi qui est en double. Avec divers éléments qui vont constituer donc ce Gundam ou ses équipements. Donc voilà pour ces grappes plutôt grises. Et ben on va passer à la suite. Donc voici toutes les grappes donc blanches. Donc même chose hein,
avec des parties de l'armure du Gundam. Là ici on voit au niveau de la tête. Donc pareil, hein, beaucoup de pièces. Je vous remontre rapidement une autre grappe, donc cette grappe-ci en double. Ensuite celle-ci, là où on voit la main. À chaque fois bien fourni. Donc, ici pour le bouclier, regardez-moi les détails ici, vraiment impeccable. Et donc celle-ci, même chose en double. Donc voilà ce que ça donne pour les grappes blanches. Et ben on passe à la suite. Et donc voici les dernières grappes, donc plutôt bleues. Donc voilà les parties bleu foncé donc de ce Gundam. Donc ensuite grappe en double. Ensuite, nous avons donc ces pièces pour les Beam Sabers à faire bien flashy. Ensuite, donc, nous avons une grappe avec plusieurs teintes, donc le jaune. Alors celle-ci, il faudra qu'on fasse attention pour dégrapper, qu'il n'y ait pas de casse. Donc là, orange. Et donc encore bleu nuit et rouge. Il n'y a pas beaucoup de pièces en rouge sur ce kit-là. Et donc une planche de stickers. Et pas de décalco dans ce kit. Donc voilà, c'était donc la présentation des grappes pour ce kit. Et ben je vous présente tout de suite la notice de montage. Alors présentation de cette notice de montage. Donc si jamais vous avez jamais fait de Gundam, donc on vous présente donc les grappes qui nous sont fournies dans la boîte. Donc là le résultat du Gundam monté avec ses accessoires. Donc on peut voir qu'il y a une différente position et donc une posture flight form. Et donc après on va passer au guide de montage. Donc ça se présente avec donc une grappe numérotée par les lettres de l'alphabet et un numéro. Donc il suffit de détacher les pièces et ensuite on suit la notice. Encore une fois, donc plusieurs étapes. Donc souvent on commence par la tête, le torse, les jambes, les bras, la jupe et ensuite on assemble le tout. Et donc on arrive à ce résultat, donc des photos de la maquette montée. Donc là on repart sur le guide de montage. Pas mal d'étapes, hein. Donc là on est parti donc pour monter les accessoires.
ensuite donc les différentes possibilités. Et enfin, je vais me rapprocher. Donc, quelques images de la maquette montée et peinte. Et donc, si vous êtes intéressé pour repeindre cette maquette, vous avez donc le guide des couleurs. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc, voilà le guide des couleurs. Et donc, maintenant que c'est traduit en anglais, c'est quand même plus facile à comprendre. Et donc là, par exemple, on voit donc pour le blanc, il faut mettre 100% de blanc. Et donc, une toute petite dose de gris bleuté. Là, par exemple, pour le rouge, on met du rouge, du marron et du blanc. Et ainsi de suite. Donc voilà pour le guide de couleurs pour la peinture. Et donc, c'est tout pour cette notice de montage. Et voilà les amis qui conclut cette vidéo unboxing de ce tout nouveau projet, donc Gundam. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la deuxième partie de ce tout nouveau projet. Donc deuxième partie, montage à blanc de ce kit. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !